au départ, le projet Robocop 2 était alléchant. Était alléchant. Tête alléchant. Tête alléchant. Tête alléchant. Robocop 2. Super, bon, ils deviennent fous. Récemment, nous avions eu la joie incommensurable de chroniquer l'indispensable Robocop de Paul Verhoeven à l'honneur sur Frisson. Mais comme les programmateurs de la chaîne ne font pas les choses à moitié, ils ont décidé de bien nous faire rigoler avec ces deux suites totalement dégénérées. Je parle bien sûr du sympathique Robocop 2 et du terrifiant Robocop 3. L'air de rien, en un seul film, le père Verhoeven avait su créer une icône instantanée. Moitié flic, moitié robot comme le disait l'accroche, Robocop était une nouvelle figure de justicier. Un héros certes méchamment ironique, car barbare et lobotomisé, mais qui nettoyait la ville de sa pourriture, ce qui a toujours été le fantasme premier d'une société obnubilée par la question sécuritaire. Les costards cravates hollywoodiens n'étant pas des êtres réputés pour leur intelligence, mais des créatures marketing qui sniffent des billets verts, la valeur marchande du bidon de lessive Robocop, estampillé copyrighted, n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Du coup, Robocop allait devenir une franchise rentable, les ayants droit rêvant déjà aux possibilités infinies du merchandising. Mais soyons honnêtes, cette dérive bassement mercantile de la saga s'est faite progressivement entre les galères de tournage de Robocop 2 et la sortie de l'atterrant Robocop 3, produit pour mioche, à peine digne des Power Rangers. Car au départ, le projet Robocop 2 était alléchant. Le script avait été confié à deux brillants scénaristes, Wallon Green, auteur de La Horde Sauvage et du Convoi de la Peur, et comment il s'appelle, Frank Miller, je suis bête, auteur de la mythique bande dessinée Dark Knight Returns. Hélas, jugé infilmable en l'état, le scénario fut largement modifié, au point de dénaturer par un humour douteux son propos originel. Une charge hardcore contre le politiquement correct qui sévissait à l'époque. S'il reste la patte de ses auteurs en de rares instants, Robocop 2 s'apparente davantage à un copier-coller du premier film, reproduisant superficiellement les éléments satiriques qu'il noie dans des scènes d'action orientées comic book. Des scènes que le réalisateur Erwin Kerschner, remplaçant au pied levé un collègue viré pour différences artistiques, réussit parfois à rendre percutantes. Bref, une suite qui se laisse regarder si on n'est pas trop regardant. Ce qui n'est pas le cas de Robocop 3, sorte de téléfilm pour Disney Channel, dans lequel Robocop se prend littéralement pour Superman. Franchement, no comment. Yourselves!